Oh la gueule que j'ai, salut les amis, c'est Ryu. Ah, un peu cette gueule que j'ai. En fait, j'ai été réveillé, en fait, maintenant je peux le dire, j'ai été réveillé par, par quelqu'un de hyper sympa. La star de YouTube. La star. Si je dis la star du grenier, ça y est, je crois que. Ça spoil, ça spoil. Bon, juste avant, le montrant, on. Allez, on va couper et on passe. Action! Regardez qui c'est! Ah, qui c'est? Comme toute bonne rencontre YouTube, placement voilà. De produits. Non, c'est ça, on mange équilibré. C'est clair, chaque fois. Bon, alors, t'as gagné un truc là ou quoi? Je suis entré, alors il faut gratter. Ah, allez, que nous on est joueurs. Hein. Voilà, il faut gratter du 1 à 3 de la gauche. On citera personne, mais je connais des YouTubeurs, moi s'ils gagnent une boisson, ils la revendent quoi. Sous blister? Ah ouais, sous blister. T'aimes bien le blister toi ou pas? Le blister rigide, pas le souple. Les faux qu'on trouve. Non, les vrais. Il y a des magasins qui vendent en vrai. Bon, on va s'arrêter là. Hein. T'as gagné quoi? Un frappé. Un frappé? Attends. Mais qui va gagner le frappé? Qui c'est qui va le manger? Ouais, bah, c'est le tien, c'est ton ticket. Ryushi est généreux, je te l'offre. Mais non. Tu vas bon, les amis, à une prochaine. Là, c'était Francisco. Allez, bye bye. Donc, comment on reconnaît des geeks donc, de Pokémon Go? C'est les mecs qui n'ont pas compris, ils se collent à la statue alors qu'il n'y a pas besoin. Et donc en parlant de geek, on en a trouvé un. J'en ai trouvé un Pokémon vachement rare. Ça c'est le Pokémon Trésor du Grenier. Alors, il est vachement rare, celui-là à choper. Ouais. Il est niveau 99, donc il est impossible à choper. Et donc il est geek aussi, regardez, hop. Ouais, c'est pas merveilleux ça. Alors j'ai dit dans une vidéo, enfin je sais pas dans une vidéo, j'ai dit que je jouerais jamais à Pokémon Go, mais je crois qu'il y en a un qui m'a fait changer d'avis du coup. Ouais. Ça permet de découvrir des fabuleuses œuvres d'art comme. Ouais, et puis quand on a un bon petit ventre, ça permet de faire un peu du sport quoi. Parce que monsieur Francis, il n'a pas besoin de faire du sport, je vois. Mais il faut marcher, ça fait marcher. C'est regardez, vrai. Un carapuce. Carapuce. Est-ce que t'as chopé. Parce que bon, il y a Concrax qui a mes vidéos, tu vois. Donc est-ce que t'as chopé un Pokémon bien rare aujourd'hui pour l'enverder? Aujourd'hui, non. Non. On sait jamais. S'il ouais. Y en a un qui nous apparaît, parce que là, il y a quelqu'un qui a lancé un leurre. C'est ça. Et donc c'est vraiment une passion, regardez, deux jeunes là qui jouent à là-bas, c'est... Même les clodos. Et même les clodos, donc ils ont le pack Heineken Pokémon Go, donc voilà. Here we go Here we go. Et voilà, c'est me, Mario. Moi qui habite pas loin d'Orange, donc nous sommes Orange, je vous garantis que je suis arrivé en 2009 dans la région. C'est la première fois que j'entre dans le parc, donc ça prouve bien quand même que ça fait vraiment bouger quoi. Et on couvre des fontaines, des œuvres d'art. Hein. En plus on peut choper de la Pokémonette, pourquoi pas. Donc voilà. Donc attrapez-les toutes. Allez bye bye. Allez, here we go.